Ce projet-là s'appelle Thorax. L'origine du projet est en fait, c'est parti d'un simple enregistrement d'une ventilation. Et puis j'ai eu envie de refaire en installation quelque chose qui sonnerait comme ces sons d'installation, ce son de ventilation que j'avais entendu. Et puis quand j'ai approché mon microphone près de la ventilation, il s'est mis à avoir des drôles de sons, presque comme des voix et tout ça. Et là, j'ai décidé d'essayer de rendre ça mécanique. Et puis ça, c'est un peu suite à une autre installation qui voulait rendre cette idée-là, qui s'appelait Turbulure. Et c'est un peu la continuité de ce projet-là. Et thorax, ça tient un peu, le titre vient un peu de la cage thoracique aussi, parce que les structures sont un peu comme des cages thoraciques là, qui protègent les éléments vitaux du système. C'est un système qui a des cycles, qui a des respirations, il y a des moments de respiration, les choses, on a des petites réservoirs à air qui gonflent. Et en se gonflant et se dégonflant, ils libèrent de l'air sur les microphones qui sont munis d'une... Il y a une buse mécanisée qui, elle, s'avance et recule à différents rythmes et qui projette de l'air sur le microphone. Et puis, c'est ces pulsations-là d'air qui vont créer les variations de son sur le microphone. C'est les turbulences, en fait. Même les structures, comment je les ai construites, évoquent un peu la turbulence, la volute ou quelque chose comme ça. J'avais envie que la structure soit un peu analogue à ce qu'on entend dans le son. Au niveau du son, on a une spatialisation sur 4 haut-parleurs qui est interactif, mais c'est une espèce d'interactivité qui est à l'insu du visiteur. Donc le visiteur ne sait pas vraiment de quelle manière qu'il interagit sur le système, et c'est un peu ce que je cherche aussi. Donc, d'une certaine manière, j'utilise le visiteur comme un générateur de variations dans le système qui sont parfois presque imperceptibles, mais qui font toute la différence au niveau du son. Et puis, en fait, ce que ça fait varier la pulsation d'air sur le microphone. L'ensemble de l'installation se présente comme une espèce de réseau qui envahit le visiteur, comme le son le fait aussi. Et donc, il y a un paquet de fils qui surplombe l'installation. Et aussi, ça continue sur le sol. Donc, il y a vraiment une prise en charge du lieu au complet, que ce soit au niveau du son, mais aussi visuellement par le réseau de fils. Tout ça, ça devient un peu comme un organisme, un réseau. Les fils évoquent aussi un peu comme presque un réseau veineux d'un organisme ou quelque chose comme ça, ou un réseau nerveux. Techniquement parlant, il y a un élément central qui, lui, gère le son avec une patch Max MSP. Et cette spatialisation-là du son est interactive d'une certaine manière au niveau de la rotation du son dans l'espace et de la vitesse. Plus on est proche du centre de la structure, plus ça tourne vite. Il y a aussi un élément central qui, lui, sert en fait à contrôler les différents modules. À un certain moment, chaque module est indépendant à sa propre programmation, mais à un certain moment, si on passe devant cette zone-là, on active un serveur central, un élément central qui devient le maître de tous les éléments au mur. Et tout à coup, chaque élément reçoit une information par le module central qui, lui, asservit tout le système et met tout en respiration. À ce moment-là, on a comme un cycle de respiration où les huit réservoirs à air se mettent à respirer, à gonfler puis se dégonfler, ce qui donne une sonorité qui se rapproche beaucoup aussi du ronflement ou de la respiration. Encore là, pour évoquer un peu plus la référence à l'organisme. Ce son-là, parfois, migre vers d'autres choses, comme si tout à coup, il y avait une transition dans le son. Ça devient comme des sons d'oiseaux, des avions, des jets. Des vagues, même parce qu'on a presque l'impression d'entendre presque comme des vagues. Donc, c'est un peu comme une espèce de suite, de succession au niveau de l'image sonore que ça crée, comme des espèces des transitions, un peu comme presque comme dans un rêve où on passe d'une image à une autre qui n'a pas vraiment de sens l'une par rapport à l'autre, mais il y a comme une espèce de fil conducteur, mais qui est comme un peu incohérent. Puis c'est un peu si j'essaie de nous plonger dans une espèce d'univers sonore du rêve ou quelque chose comme ça. Ou de la mécanique qui dort et qui respire et qui a ses différentes phases de métabolisme.